Thank you for coming back, or thank you for joining for this second session of the talks at Abu Dhabi Art of the Flannery Colbert Abu Dhabi. We will shift into French, so please use your headphones if you don't. Everyone has headphones? Okay. Donc, nous allons maintenant plonger dans cette seconde session au cœur des maisons françaises du luxe, au cœur de ces maisons dont la proximité avec l'art contemporain est en quelque sorte une proximité historique, si vous me permettez le paradoxe. Parce qu'en effet, l'art contemporain, et je pense que l'exposition dont il a été fait mention tout à l'heure au Louvre Abu Dhabi le montre bien, le luxe a travaillé avec des artistes contemporains au XVIIIe siècle et il travaille encore aujourd'hui avec l'art contemporain de la même manière. Et c'est pour ça que ce lien avec l'exposition du Louvre Abu Dhabi était important pour nous. Je pense qu'on va bien, vous allez mieux comprendre les ressorts de cette collaboration entre le luxe et des artistes contemporains à travers les présentations cet après-midi, et surtout mieux mesurer à quel point la frontière finalement entre art et luxe est ténue. Alexandre Bockel nous parlera de Lady Dior Art. Et Hélène Huret de la collaboration de Bernardo, la célèbre maison de porcelaine de Limoges, de la collaboration de la maison avec des artistes et des designers. Alexandre Bockel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous portez finalement une double casquette. C'est la première hier qui vous a amené à intervenir à la maison des artisans, où nous avons tout appris sur la broderie, puisque vous êtes directeur de la maison Vermont, maison de broderie célèbre parisienne, très réputée en particulier dans la haute couture. Donc maintenant, nous connaissons beaucoup de choses sur la broderie, je ne dirais pas tout, mais beaucoup de choses, grâce à vous. Et aujourd'hui, je vous fais chausser la deuxième, puisque vous êtes... vous mettez en place aussi pour la maison Dior les collaborations avec les artistes, comme vous l'avez déjà fait d'ailleurs avant pour la maison Vuitton, ce qui vous amène à amener à collaborer avec des artistes comme Takashi Murakami ou Richard Prince, mais je pense que vous allez nous en parler plus en détail. Alexandre, Monsieur Dior était galériste avant d'être couturier. Est-ce que c'est l'origine de Lady Dior Art ou comment ce projet est né? Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi comment se mettent en place les collaborations avec des artistes au sein d'une maison comme Dior? Merci. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être parmi vous pour partager mes deux passions depuis que je suis petit, que sont la création dans le luxe et l'art contemporain. Je voulais remercier chaleureusement Valérie pour cette invitation de la part du comité Colbert et Abu Dhabi Art pour m'avoir permis d'être présent parmi vous. Alors aujourd'hui, on va raconter trois termes qui sont importants pour Dior. Vous les avez sur l'écran, Dior, Lady, Art. On va essayer de comprendre pourquoi ces trois mots ils sont importants pour la maison Dior et ce depuis l'origine. On va commencer par un objet que vous voyez à l'écran qui est un objet iconique pour nous chez Dior. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le Lady Dior. C'est un sac qui a été créé en 1994 chez Dior et présenté au public en 1995. Ce sac, il est crucial pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement étrange dans sa création qu'il est devenu iconique. En fait, si on le regarde bien, ça ne devrait pas être un sac. Si on prend des éléments rationnels, jamais un styliste n'aurait dû créer ce sac. Pourquoi ? Parce que déjà, il ressemble à une boîte. Il est rigide, il n'est pas souple, il n'est pas très pratique. Et la poignée, elle aussi, est rigide.
Originellement, il n'y a pas de bandoulière. Donc, si on se place d'un point de vue un peu marketing, on se dit ce sac, il ne devrait pas exister. Et en fait, c'était une vraie volonté au départ. La vraie volonté, c'était de se dire, on va justement créer un sac qui ne ressemble à aucun autre, parce qu'on a vraiment envie de faire un sac qui soit nouveau, qui représente une nouvelle pierre fondatrice dans la maroquinerie. Et en fait, ce sac, il n'est pas si bête que ça quand on le regarde. Ce sac, le styliste qui l'a créé, s'est inspiré du nombre d'or. En fait, vous avez une base qui est un rectangle, qui est surmonté d'une poignée qui est un demi-cercle. Ça, déjà, c'était à l'encontre de ce qu'on se faisait à l'époque. À l'époque, on faisait des sacs qui étaient sans forme précise. Donc là, on est comme avec des Legos, on assemble des formes et on crée cette forme-là de Lady Dior. Et puis, on a un motif, ici, qui est un motif matelassé sur cuir, qu'on appelle le canage et qui évoque un peu les chaises qu'on peut trouver à Versailles et ce qu'on appelle la paille de Vienne. Et en fait, ce canage, il est régi par un nombre qui est le nombre d'or, qui est un nombre qu'on retrouve très souvent dans l'art. On le retrouve au Parthénon, par exemple, quand on mesure les dimensions entre le toit et le corps du bâtiment. Et en fait, le styliste nous disait, je pense que c'est pour ça que les gens adorent ce sac, c'est parce qu'inconsciemment, il a des proportions qui dépassent le monde de la mode et qui touchent à l'art, et qui touchent à une espèce d'émotion inconsciente. Et donc ce sac, effectivement, dès qu'il a été porté, pour la première fois par Lady Diana, il a été un succès énorme et c'est devenu notre ADN de la maison. Alors ce sac, il est important parce qu'il est au cœur du projet dont je vais parler. Et en fait, quand on regarde de très près, ce sac avec ses formes très rectangulaires, très géométriques, en fait, c'est une surface assez abstraite. Et ça ressemble un peu à un tableau. On voit à côté un chevalet avec un tableau. Et puis, je réponds à la question de Valérie. Effectivement, Dior, on le sait, c'est une maison de couture. Mais en fait, ce n'est pas Christian Dior, au tout départ, un créateur de couture. Bien avant qu'il ne crée la maison Dior, en 1947, mais Christian Dior, il est marchand d'art. Il a une galerie d'art à Paris, qui est rue de la Boétie. Et 20 ans avant de créer Christian Dior Couture, la maison de mode, il ouvre rue de la Boétie une galerie. Et il va être le premier à présenter une œuvre d'un artiste qui s'appelle Dali, et dont le titre est « La persistance de la mémoire ». Donc déjà, dans l'ADN et dans la passion créative de M. Dior, il y a cette envie de présenter des œuvres d'art. Et puis, il a quand même des bonnes intuitions, parce que 3 ans après, il fait une exposition à Paris sur le thème du surréalisme, qui est une tendance qui pointe à Paris, et il expose des œuvres de Dali, de Picasso, de Chagall, et j'en passe, et c'est un succès énorme. Et en fait, c'est suite à ça, suite à cette présentation d'art, qu'il se dit, eh bien, moi aussi, j'ai envie de créer. Et c'est là, en fait, où il va avoir l'intuition de créer en 1947 sa maison de couture, Christian Dior, pour lesquelles il va faire des défilés de couture. Et en fait, c'est pour ça que, quand on pense à l'ADN de Dior, on se dit, il y a le luxe, il y a la mode, mais il y a aussi l'art. Et du coup, pourquoi pas essayer de faire que ce Lady Dior, avec sa surface un peu abstraite, deviennent une toile pour des artistes, un moyen d'expression. Et en fait, c'est une chose que Christian Dior avait déjà fait. À son premier défilé, il a fait 2 robes, donc en 1947. La première s'appelait Chagall, donc en hommage à Chagall, et la deuxième, Magritte. Donc dès le départ, il a envie qu'il y ait un lien entre la création de mode et le luxe. Mais on a voulu faire pareil. Et en fait, il y a une première étape. Cette première étape, c'est Asin Bay. Asin Bay, c'est un projet qui est né il y a plus de 10 ans, où l'idée, c'était de demander à des artistes, un peu comme on le faisait au XVIIIe siècle, où un monarque venait demander à un artiste de créer un plafond peint, ou un meuble, ou un buffet, ou une table en marqueterie. L'idée, c'était de dire à des artistes, jouons le jeu de la contrainte et de l'intérêt pour l'objet, et exprimez-vous sur cette surface. Et en fait, ça a donné lieu à des centaines de créations de Lady Dior, mais de pièces uniques, comme vous pouvez les voir là, avec plus de 100 artistes qui ont participé, Martin Parr, Peter Lindbergh, Olympia Scarry, Kohei Nawa, donc avec vraiment une liste exhaustive d'artistes. Et ça a été le premier pas. Et puis un jour, on rencontre Mark Quinn, artiste anglais, qui nous dit,
C'est intéressant, mais pourquoi on n'irait pas plus loin? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dans une vraie rencontre entre la création d'un objet pour le monde du luxe et la création d'un objet par un artiste? Et cette espèce de dialogue, de dichotomie, des fois d'opposition, qu'il peut y avoir entre créer un objet unique et créer un objet qui ne va pas être unique, qui va être un objet qui va être édité à plusieurs exemplaires. Et donc avec vraiment une espèce de philosophie à la Andy Warhol, comme on peut le voir. Et donc on a commencé avec Mark Quinn, il y a 5 ans, avec ce premier sac, qui a été la première collaboration pour le projet Dior Lady Art. Alors c'était un sac qui était vraiment très fidèle au Lady Dior, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ça va garder des proportions très cubiques du Lady Dior, très géométriques. Et en fait, il est venu à poser dessus une photo de son iris, avec sur l'autre côté du sac, un zoom sur son iris. Et en fait, c'était une façon pour Mark Quinn de dire, à mon tour, mon œil se plonge dans le Lady Dior et mon œil vient marquer la surface du Lady Dior. Et en fait, c'était une première collaboration qui a été très forte, qui a eu un très grand retentissement au niveau de Dior, au niveau du monde de l'art. Et en fait, ça a défini les contours du projet. On s'est dit, en fait, c'est intéressant, ce dialogue, et on va essayer de produire des objets limités à 100 exemplaires, où l'artiste essaye de mettre tout son univers créatif sur la surface du Lady Dior, et à la fois où nous, Dior, on est là pour dialoguer avec lui. Parce qu'en fait, faire un objet qui va être produit, qui va être vendu, qui va être porté, qui va être maltraité, du coup, parce que c'est vraiment un objet qui a une fonction, c'est un sac, eh bien, c'est pas facile, et tous les artistes ne savent pas le faire. Et donc, en fait, c'est un peu l'enjeu de ce projet, c'est de se dire, eh bien, oui, en fait, on veut faire une œuvre d'art qui se porte, une œuvre d'art qui se vend, et en fait, on va faire un dialogue créatif avec des artistes qui, d'un coup, vont pas être tout seuls à créer, mais ils vont créer avec une équipe de Dior. Et en fait, c'est maintenant depuis 4 ans que l'on mène ce projet, et c'est un projet qui est passionnant, parce que chaque année, on se décide de se rapprocher de 10 artistes d'art contemporain avec vraiment l'ouverture la plus large d'esprit. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pas seulement cibler des artistes reconnus, mais c'est aussi de donner la parole à des artistes émergents. Donc des artistes qui sortent de l'école et qu'on a trouvé intéressants pour nous, pour Dior. Voici un peu le cadre de Dior. Et ce que je voulais, pour que ce soit vraiment concret, c'est de prendre des exemples. Parce qu'en fait, chaque histoire que j'ai pu porter avec ces artistes, c'est vraiment des histoires de vie. C'est-à-dire qu'en fait, on rencontre vraiment quelqu'un avec qui on dialogue, avec qui on aboutit, ou des fois, on aboutit facilement, des fois, on aboutit très difficilement, des fois, un peu de manière très meurtrie. Mais voilà, c'est une aventure très humaine. Donc, je voulais prendre 4 exemples qui illustrent un peu nos collaborations avec les artistes. Ça, c'est Olga de Amaral, c'est une artiste colombienne qu'on a rencontrée il y a 2 ans pour Dior Lady Art 2. Et Olga de Amaral, elle travaille vraiment les œuvres que vous voyez derrière elle. C'est-à-dire, c'est des bandes qui sont tressées à la main, découpées à la main et recouvertes de feuilles d'or. Et donc, ça crée ces espèces de blocs monolithes complètement dorés, argentés, qui sont à la fois un mélange entre un historique colombien et une image un peu spatiale, monolithique. Voilà un zoom d'une de ses œuvres. Et en fait, quand on a rencontré Olga, elle disait, mais moi, ce que je veux, c'est que ce sac porte exactement mon œuvre. Et vous vous débrouillez. Et en fait, ça a donné lieu à ce sac que vous voyez ici, qui est vraiment, et elle était elle-même ravie, extrêmement proche de ses œuvres. Et on a réussi à retrouver avec elle exactement la technique qu'elle utilise pour faire ce sac. Et ce sac a été fait exactement comme elle le souhaitait, c'est-à-dire avec des feuilles d'or 24 carats qui ont été posées à la main, une par une, sur chacune des bandes de toile qui sont ici. Donc pour faire un sac comme celui-ci, il y a plus de 100 heures de travail d'une artiste. Et pour nous, c'est aussi important, parce que dans l'histoire de l'art, il y a aussi l'histoire de l'artisanat. Et je parlais du château de Versailles. Les créations qui ont eu lieu au château de Versailles ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas eu des artisans à l'époque. Pour ce projet, on a fait appel à un artisan qui était une des dernières artisans à Paris qui pouvait travailler la feuille d'or, comme à l'époque de Versailles. Donc voilà un projet qui, moi, m'a beaucoup touché parce qu'en fait, on a réussi à la fois à répondre
au désir expressif d'Olga, en restant fidèle à sa volonté, et à la fois, on a réussi à tracer une courbe qui relie un objet de luxe, une envie d'une maison de luxe, un artisanat, un savoir-faire et un désir créatif. Et puis l'idée, c'est que les artistes, ils aiment bien jouer aussi avec les choses qu'on leur donne. Ils aiment bien les maltraiter. Et donc on les laisse faire, on leur donne aucune contrainte. Et donc l'idée, c'est que nous, on aime bien qu'on pousse les limites de ce sac qu'on voit beaucoup tous les jours et qu'on le déforme un tout petit peu. Il y a 3 ans, on a travaillé avec Lee Bull, qui est une artiste coréenne. Et Lee Bull travaille beaucoup sur des miroirs qui sont brisés. Et donc elle nous disait, moi, le sac que je veux, c'est finalement un miroir brisé avec au-dessus une poignée. Et donc là, on dit à Lee Bull, nous aussi, on adorerait, mais ça va être compliqué. Et puis finalement, on a fait 230 essais de sacs avant d'aboutir au sac final, qui est effectivement des miroirs brisés, qu'on a monté en 3D avec des éléments en dessous pour créer ces volumes. Lee Bull était ravie, nous aussi. Elle était tellement ravie qu'elle a acheté 3 des 100 sacs en édition limitée qu'on avait réalisés. Elle a voulu retravailler avec nous la saison d'après. Et là, comme elle aime bien changer d'univers et d'état d'esprit, elle s'est dit, on a fait un sac très froid, comme une bouille disco. J'aimerais un sac qui évoque la nature maintenant. Et donc, elle voulait qu'on ait l'impression que le Lady Dior soit resté à l'abandon, dans un bosquet, au château de Versailles, pourquoi pas, sous la pluie, sous les intempéries, et qu'il peut-être la mousse et la terre soient venues salir, pousser sur ce sac. Et donc, ça a donné naissance à ce sac qu'elle a appelé sac mousse. Et en fait, pour recréer ça, on a utilisé 222 000 perles de verre teintes à la main dans 6 coloris différents de verre pour créer cet effet de bosquet et de mousse qui pousse sur le sac. Cette fois-ci, elle en a acheté 4. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a un vrai dialogue entre les artistes et les maisons de luxe et qu'ils nous aident à apprendre aussi beaucoup de choses. Mais nous, on les aide aussi à apprendre des choses. Et je voulais prendre un exemple qui m'a beaucoup touché. C'était une collaboration pour la première saison avec Ian Davenport, dont voici une de ses œuvres, qui travaille beaucoup sur les coulures de peinture, en s'inspirant beaucoup d'œuvres de maîtres anciens. Et puis au départ, on travaille sur son œuvre avec lui. Et puis il dit, oui, c'est bien, mais en fait, j'aimerais aller plus loin avec vous. Et puis finalement, on a travaillé sur ce sac en mélangeant aux pigments colorés des pigments métallisés, métalliques. Et du coup, le sac ressemble presque à une espèce d'œuvre d'art automobile, on dirait une carrosserie. Et il était ravi. Et du coup, il nous a dit, vous savez quoi, suite à ce projet, j'ai envie d'ouvrir une nouvelle histoire dans mon art créatif et je vais commencer à faire des œuvres métalliques. Et ça, pour nous, c'était une vraie source de plaisir parce qu'on se rendait compte que ce projet-là, il nourrissait chacune des deux parties, et Dior et les artistes. Et puis, ce mois-ci, c'est un grand jour parce que ce mois-ci, j'ai fini de travailler sur Dior Lady Art 4 et je suis très fatigué, je suis ravi que ce soit fini. Et on va dévoiler à la fin du mois le travail qu'on a fait avec 11 artistes cette fois-ci. Je voulais juste partager avec vous quelques images de ce travail où on a été encore cette fois-ci très loin dans la faisabilité. On a travaillé avec Joana Vasconcelos, qui est une artiste portugaise. Et Joana avait envie d'un sac très simple, mais elle disait, moi j'aimerais bien que pour une fois, on intègre des circuits électroniques dans les sacs. Alors chez Dior, on est très doué, mais on a beaucoup de mal à mettre en place de l'électronique dans les sacs. Et bien on a réussi. En fait, le cœur que vous voyez, c'est un sac qui est brodé avec des LED, donc des minuscules lampes, qui s'éclaire. Il y en a 822 sur le sac. Et en fait, quand on l'allume, le sac a le cœur qui bat. Parce qu'elle voulait qu'on ait l'impression que ce sac soit vivant. Donc ça, c'est un des premiers sacs que je vous dévoile de cette saison. Une deuxième collaboration, c'est avec Kohei Nawa, qui est un artiste japonais. Et en fait, comme image d'inspiration, il m'a envoyé un film d'une de ses œuvres qui était une lave en fusion. Et il me dit, mais moi, je veux que ce sac soit liquide. Donc, c'était extrêmement compliqué parce que par définition, ce sac n'est pas liquide.
Et donc, en fait, on a réussi à trouver une nouvelle technique. Alors, je n'ai pas le sac ici à vous montrer, malheureusement, parce qu'il va sortir très tard. Mais en fait, on a réussi à emprisonner sous les capsules de plexiglas que vous voyez sur le sac du liquide. Et en fait, quand on bouge le sac, le liquide tourne autour du sac et anime le sac. Et puis, troisième collaboration que je vous présente, c'est avec Marguerite Humeau, qui est une artiste française qui habite à Londres. Et en fait, Marguerite avait dit, c'est intéressant, mais tous les sacs que je vois restent rectangulaires. Est-ce que je peux un peu le frapper, un peu le malmener? Oui, bien sûr. Et donc, elle a voulu qu'on fasse un sac qui soit comme issu d'une génération extraterrestre, qu'on ait l'impression que ce soit comme un totem qui viendrait du troisième millénaire et qui à la fois évoque quelque chose enraciné dans le passé. Elle était fascinée par les vases de Pompéi, par les marbrures qu'on a sur ces vases. Et donc elle disait, je veux que ce sac évoque à la fois le futur, quelque chose d'alien, et puis à la fois comme une roche de marbre et sur lequel aurait soufflé un peu de vent. Donc tout ça a été très riche en termes de discours. Et finalement, on a laissé tomber tout ce qu'on savait faire en termes de maroquinerie. Et on a appris beaucoup de choses, puisqu'en fait, c'est un sac qui a été généré avec des moules et des impressions 3D. Et en fait, ce sac est constitué que de poussière de maïs agglomérée. Donc c'est un sac qui est éco-responsable. C'est un sac qui pourra se dégrader et qui, du coup, est avec un mouvement extrêmement dynamique. Et en fait, vous voyez le côté du sac. On a vraiment l'impression que si on pose ce sac par terre, eh bien, il va tomber à la renverse. Et en fait, non, ce sac tient debout. Et c'est une espèce de magie de la réalisation de ce projet. Alors, aujourd'hui, on annonce la quatrième édition de Dior Lady Art. En tout, 40 artistes ont travaillé sur le sujet. L'idée, vraiment, c'est un travail où on est dans le partage des contraintes et le dialogue. Et en fait, c'est vraiment une aventure humaine. On apprend vraiment que derrière le terme d'artiste, il y a tout un tas de sensibilités. Il va y avoir des sensibilités qui sont extrêmement à même de comprendre nos contraintes de fabricants de maroquinerie et d'autres qui ont beaucoup plus de mal à ouvrir leur art au dialogue. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, on a des projets où on arrive au premier prototype tout de suite à ce que voulait l'artiste. Et puis il y a des fois où on a beau dire à l'artiste, on est en août, et puis il faut maintenant qu'on arrête de réfléchir sur le projet. Eh bien, fin octobre, j'ai encore des messages pour changer le sac. Et donc, c'est là où c'est toujours un enjeu humain et la complexité du projet. Et c'est aussi la beauté qui fait qu'on est à la fois fatigué, mais heureux à la fin d'aboutir avec toutes ces individualités sur ce projet. Alors aujourd'hui, on pourrait faire un peu un parallèle avec Warhol. On a la capacité maintenant de présenter dans une galerie d'art sans les Didi Dior différents, qui sont un peu comme une déclinaison à l'infini de ce que peut être le Lady Dior. Et ce qui est incroyable dans ce sac, c'est quelle que soit la manière qu'il a d'être interprété, que ce soit avec des imprimés, avec une technique de déformation de métal, avec de la fourrure, avec des paillettes, en fait, ce sac se reconnaît tout le temps. Et à la fois, on reconnaît le travail de l'artiste. Et ça, c'est la beauté de ce projet. C'est qu'en fait, il est à la fois un et multiple, il est à la fois l'expression d'une identité propre de la maison Dior et à la fois l'expression de l'envie des artistes qui se penchent à son chevet. Et donc ça, c'est vraiment le plaisir immense que j'ai chaque année à travailler sur le sujet. Alors, je voulais en profiter pour. Vous avez quatre sacs ici. Et en fait, les artistes veulent toujours qu'on touche les sacs. Parce qu'ils disent qu'en fait, que l'intérêt de ce projet, c'est qu'on ne montre pas les sacs dans un musée. C'est que ces sacs vivent. Et que ces sacs vont être utilisés, vont être touchés, vont vivre et mourir. Et donc, quand les artistes ont su que je venais ici vous présenter un peu le concept de ce projet, ils ont dit surtout, vous les montrez, mais après, vous les faites circuler dans le public. Donc, je vais me permettre de vous les faire circuler pour que vous voyez comment on travaille sur ces sacs. Alexandre, merci. Merci d'avoir dévoilé en plus les
dernières nouveautés et d'offrir cette opportunité au public. Nous, comme tout à l'heure, nous allons procéder, nous vous proposerons du temps pour poser des questions à la fin, mais nous allons d'abord entendre Hélène Huré. Donc Hélène Huré, vous aussi, vous assumez deux fonctions à la fois au sein de la Maison Bernardot, comme directrice de la communication et par ailleurs comme directrice de la Fondation d'entreprise Bernardot. La Maison Bernardot, on a vu récemment des pièces de J.R., Sarkis, Jeff Koons, mais on se demande que font tous ces artistes dans une manufacture de porcelaine à Limoges, dans le centre de la France. Comment les faites-vous venir jusqu'à Limoges? Est-ce que vous pouvez nous raconter ces collaborations? Bonjour à tous. Je suis absolument ravie d'être là aujourd'hui et tout d'abord je voulais remercier le comité Colbert pour cette invitation et Abu Dhabi Art de m'avoir permis d'être là avec vous aujourd'hui. Alors je suis heureuse d'avoir l'occasion, l'opportunité surtout de vous parler de la porcelaine et plus particulièrement des collaborations que la Maison Bernardot entretient avec ses meilleurs ambassadeurs, à savoir les artistes et les designers. Je vous montrerai un certain nombre d'exemples et puis j'insisterai sur trois collaborations particulières avec l'artiste J.R., les frères Campana et Jeff Koons. En préambule, je voudrais quand même faire un distinguo entre ces deux notions de terme, artiste et designer. Pour nous, un designer répond à une problématique ou à une demande pour une pièce spécifique, une tasse par exemple, comme on peut le voir à l'écran. En haut, Sylvain Dubuisson qui tient sa tasse. Alors, attendez, j'ai peut-être un petit... Voilà. En général, le designer connaît les spécificités du matériau et leurs contraintes. Un artiste, en revanche, quand il est sollicité par notre maison, poursuit son œuvre sur un nouveau médium pour lui, la porcelaine. En général, il ne connaît pas les contraintes du matériau et nous lui donnons carte blanche. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir sur ces images, nous collaborons avec de nombreux artistes qui sont intéressés par la porcelaine, qui viennent à la manufacture et qui ont surtout envie d'y laisser leur empreinte. Mais avant de rentrer plus avant dans le vif du sujet, dans l'esprit des gens, Bernardot, c'est des services de table. Nous sommes la référence de l'art de la table à la française, avec des services classiques, avec des services contemporains. Même si aujourd'hui cela reste le cœur de notre métier, la porcelaine ces dernières années s'est beaucoup diversifiée dans de nombreux domaines, les luminaires, les objets décoratifs, les éditions limitées, les bijoux, et pénètre même des marchés assez inattendus comme la cosmétique par exemple. La raison en est que cette porcelaine a des qualités très singulières. Elle est dure, elle est blanche, elle est fine, elle est translucide, elle est sonore, mais surtout, elle est inaltérable. Et cette qualité-là, évidemment, intéresse beaucoup les artistes sensibles à la pérennité de leurs œuvres. Depuis toujours, Bernardot, qui est né en 1863 à Limoges, 400 km au sud-est de Paris, a collaboré avec des artistes de façon à être toujours de son temps et dans l'air du temps. Bernard Buffet, artiste français, qu'on voit en bas, est venu à la manufacture en 1947 pour faire le modèle Anémone, que vous voyez en bas à gauche. Et Raymond Léouis, célèbre designer industriel connu pour avoir créé, entre autres, la forme de la bouteille de Coca-Cola, est venu dans les années 60 à la manufacture créer une forme résolument contemporaine d'un service de table qui, pendant longtemps, fut un grand succès. L'intérêt de faire appel à ces ambassadeurs, designers ou artistes, c'est qu'ils nous obligent à penser le matériau autrement,
à nous remettre en question, à aller au bout des limites techniques de la porcelaine, dont les limites d'ailleurs n'arrêtent pas de s'ouvrir. Par exemple, Sylvain Dubuisson et sa tasse en bas à droite a repensé l'ans en créant cet anneau autour de la tasse obligeant à un nouveau geste, une nouvelle préhension de la tasse. Taher Chemerik, avec le vase rond au milieu, a souhaité travailler ce qu'on appelle des lustres, à savoir des couleurs délicates, très difficiles à réaliser, brillantes, à effet miroir, assez rarement employées. En haut à gauche, la tasse du designer Christophe Pillet est conçue sans anse. Mais de façon à éviter que la tasse soit instable, il y a sous la tasse et au centre de la soucoupe des parties convexes et concaves qui la stabilisent. Andrea Branzi, en haut à droite, est parti du constat qu'il est très compliqué, techniquement, de réaliser des grandes pièces en porcelaine. Du coup, il a réalisé une vigne découpée en 10 éléments décoratifs plutôt, qui s'associent les uns aux autres et ainsi se positionnent sur des murs, sur un miroir, sur une table, sur des meubles. Il a utilisé une contrainte de la porcelaine pour en faire une force. De même, Hervé van der Straten, après avoir visité la manufacture, a été fasciné par ce qu'on appelle le bleu de four, appelé aussi le bleu de cobalt, qui est un des rares émails à pouvoir cuire à la même température que la porcelaine blanche, à savoir 1400 degrés. Ce qui lui donne un éclat et une profondeur incomparables. Sauf qu'à la cuisson, la matière étant en fusion, le bleu passe sous l'émail et file un peu. Et du coup, au XIXe siècle, on rajoute des filets or de part et d'autre de la couleur pour cacher ce qui, à l'époque, était considéré comme une imperfection. Or, Straten, lui, dit, et surtout décide au contraire, de la mettre en avant et peint à main levée les premiers décors de cette série, mettant en valeur au contraire cette légère diffusion du bleu sous la porcelaine. Les 5-5 designers souhaitaient réfléchir à comment faire des pièces uniques dans une production sérielle. Ils nous ont proposé de changer juste un geste dans les différents ateliers de la chaîne de production de façon à réinventer un objet. Ici, par exemple, en changeant la position de l'anse, vous avez là aussi un nouveau produit, une nouvelle tasse. Tous ces créateurs ont un point en commun, la fascination pour un matériau qu'ils connaissaient finalement assez mal, difficilement contrôlable, et où justement la maîtrise des savoir-faire, ces gestes ancestraux transmis de génération en génération, est absolument essentielle. Car en fait, la porcelaine est un miracle, et ce miracle est dû à son ingrédient principal, une argile qu'on appelle kaolin, mais qu'on ne découvre en Europe qu'à la fin du XVIIIe siècle, alors que les Chinois la maîtrisaient déjà depuis le VIIe siècle. C'est en 1768, enfin, qu'on va trouver cette argile très blanche près de Limoges, et que l'aventure de la porcelaine commencera dans cette région. La raison pour laquelle la porcelaine est si difficile à maîtriser, par rapport aux autres céramiques, qui, je vous rappelle, sont la terre cuite, la faïence et le grès, qui sont cuits entre 800 et 1200 degrés, c'est qu'en cuisant à 1400 degrés, la matière en fusion va réduire de 14%, nous obligeant à anticiper ce retrait, qui évidemment n'est pas homothétique, la vie serait trop simple. Notre métier est donc une succession de savoir-faire très spécifiques, comme les maillons d'une chaîne, les uns dépendant des autres, chaque pièce nécessitant une semaine de fabrication, passant entre 50 mains. Même si la maison bénéficie d'un savoir-faire transmis depuis 5 générations, elle maîtrise parfaitement la fabrication d'une assiette ou d'une tasse, mais dès qu'il s'agit d'un nouveau objet complexe, elle sort de sa zone de confort. Et elle va sortir de sa zone de confort, que ce soit pour réaliser ce bol à double paroi, où la figure du chat apparaît au fur et à mesure qu'il se remplit, ou maîtriser les tailles des bagues de Marie-Christine Dorner. C'est l'éclectisme de toutes ces créations bien distinctes qui nous oblige à rechercher des solutions afin de répondre aux exigences des artistes, mais surtout nous permet à ces occasions de trouver des solutions pour des projets futurs. Les nombreux essais sont inévitables, mais nous ne les considérons jamais comme une perte de temps. Alors peut-être
que d'être une société familiale a un certain avantage. D'abord, pour la pérennité des relations avec ses créateurs. Avec certains, les relations perdurent durablement. Je pense notamment à Olivier Gagnère, avec qui nous avons fait une tasse il y a 25 ans, qui est devenue iconique et qui se vend toujours aujourd'hui, car elle est sans cesse proposée avec des nouveaux décors. Ensuite, la notion du temps est assez subjective chez Bernardo. Que ce soit le temps qu'il faut pour arriver à maîtriser un projet, finalement nous prendrons le temps qui sera nécessaire, mais aussi par le fait que la grande majorité des employés y travaillent depuis de longues années. Un grand nombre y a fait toute leur carrière, ce qui est une grande richesse, car contrairement à ce que certains pensent, nous ne sommes pas dans un métier figé. Les artisans s'améliorent sans cesse au cours de leur carrière, maîtrisant de mieux en mieux leurs gestes, mais aussi s'adaptant aux nouvelles technologies acquises au fil des années, demandant sans cesse de nouveaux procédés à maîtriser. Tout cela concourt à nous permettre aujourd'hui de réaliser des projets de plus en plus complexes que nous n'aurions pas pu faire il y a même quelques années. En 2013, la maison a fêté ses 150 ans. Nous nous sommes donc posé évidemment la question de comment les fêter dignement. Au lieu de nous tourner vers notre massé, nous avons décidé de regarder vers l'avenir et avons demandé à 12 artistes, un pour chaque mois, de réenchanter la table. Ils avaient carte blanche pour créer une collection sur 6 ou 12 assiettes, aucune édition limitée. Il a fallu d'abord faire le choix d'artistes qui allaient se compléter les uns les autres, sans marcher sur les mêmes plates-bandes, de façon à pouvoir créer la collection la plus hétérogène possible. Mais surtout choisir des artistes dont nous ne savions pas ce qu'ils allaient pouvoir faire tant leur œuvre est éclectique. Nous avons ainsi approché des artistes tels David Lynch, J.R., Sophie Kahl, Marlène Moquet, Sarkis, Nabil Naas, Jeff Koons, le vidéaste Marco Brambilla, Jean-Michel Alberola, Michael Lin, le Taïwanais, Julian Schnabel ou le grec Fassianos. Le lieu de rencontre et d'échange avec tous ces créateurs est dans notre manufacture à Limoges. Toute notre production de porcelaine s'y fait dans nos ateliers, environ 2,5 millions de pièces par an. C'est le centre névralgique de la maison. 400 personnes y travaillent. Nous y avons notre circuit de visite, un magasin, et c'est le lieu physique de notre fondation d'entreprise. Les artistes viennent tous, c'est une condition. Je voudrais maintenant vous parler plus particulièrement donc de ces trois exemples de collaborations bien distinctes. J.R., pour commencer, est un artiste français extrêmement prolifique qui vit entre New York et Paris et qui a inventé une notion participative de l'art avec le public. On le reconnaît à son chapeau et à ses lunettes noires qui n'enlèvent jamais. Il s'est fait connaître en exposant des portraits en noir et blanc librement dans les rues du monde entier, attirant ainsi l'attention de ceux qui ne fréquentent pas les musées habituellement. L'humain est au cœur de son travail. Il ne signe pas ses œuvres et refuse en général toute collaboration commerciale avec des marques. Donc, quand nous l'avions approché en 2011, ce n'était pas gagné. Nous lui avons parlé du projet pour nos 150 ans, et à notre grande joie, il a bien voulu y participer, mais en y associant sa compagne, Prune Nourri, artiste également. L'idée leur est venue comme une évidence, ses mains jointes dans un geste primitif et magnifique de donner et de recevoir. Mais l'idée amusante est qu'il voulait que l'impression soit recto verso, leurs mains réunies, vues de face et de dos. Ce fut le début d'une riche collaboration. Quand le Louvre a sollicité J.R. en 2016 pour faire un projet autour de la pyramide, l'artiste a choisi de la faire disparaître. En 2019, pour les 30 ans de la pyramide, l'artiste propose un projet inédit, d'en révéler le secret, à savoir son existence antérieure à la construction du palais du Louvre. Enfui depuis des millénaires, les fondations de la pyramide sont excavées de la cour Napoléon afin que chacun prenne la mesure et l'ampleur du chef-d'œuvre de l'architecte Pei. Ce projet, tel qu'il est représenté sur la plaque en porcelaine, a été collé sur le sol autour de la pyramide par 400 volontaires, constituant son plus grand collage à ce jour. Toujours est-il qu'ensemble, avec l'artiste et le Louvre, nous avons réalisé une tasse qui est comme une anamorphose, présentant le projet de 2016, et cette fameuse feuille froissée en porcelaine qui s'accroche au mur et qui est son projet de 2019. J.R. est très sensible à notre métier, au savoir-faire de ses artisans,
il y a quelques années, nous a sollicité pour un projet personnel. Il souhaitait que nous fassions des feuilles froissées d'une hauteur de 70 cm en porcelaine, ce qui pour nous est vraiment la limite de ce que nous pouvons faire, et en plus avec un décor apposé, ce qui a corsé l'affaire à cause de tous ces plis. On le voit ici d'ailleurs avec le chef d'atelier de modelage, qui est maître d'art et meilleur ouvrier de France, ainsi que le directeur de l'usine, ingénieur, échangeant sur le procédé de fabrication qui a duré un peu plus de 6 mois. La pièce était tellement difficile et délicate à réaliser que malheureusement, nous n'en avons pu que réaliser que 3. Ce sont ces gestes de savoir-faire qui fascinent les artistes et qui leur donnent envie d'ajouter une pierre à l'édifice avec des projets qui permettent de voir la porcelaine autrement. Ça commence toujours par une rencontre, un désir de travailler ensemble, un désir de pousser le bouchon un peu plus loin. C'est ce dernier point qui rend ces collaborations si vitales. Il est important pour nous que les artistes aient envie de connaître notre métier, qu'ils viennent à Limoges visiter les ateliers, parler à nos artisans, mais encore plus de nous pousser dans nos retranchements. En cela, nous ne sommes pas des éditeurs d'art, c'est-à-dire réaliser un projet artistique déjà existant. C'est vraiment la notion de collaboration qui nous importe. Nous distinguons, quand on fait un projet, la forme et le décor. Avec certains artistes, nous allons travailler des nouvelles formes. Avec d'autres, nous ne ferons que des décors. Souvent, ce sont les deux réunis. Le fait d'avoir notre propre imprimerie à Limoges nous permet d'aller assez loin dans la réalisation de décors réalisés avec la technique de la sérigraphie. Nous pouvons aller jusqu'à 20 couleurs. Mais aujourd'hui, il n'est pas question que de couleurs. Il est aussi question de texture, de relief, qu'on va ajouter, valorisant ainsi encore plus le motif de l'artiste. Les décors sont toujours apposés à la main sur les pièces, mais certaines parties, comme l'anse, le bec ou les bords, ne peuvent être décorées qu'au pinceau, comme on le voit sur la photo. Un autre exemple de collaboration sont les frères Campana, Fernando et Humberto, designers brésiliens. Nous les avons rencontrés alors qu'ils faisaient un workshop au domaine de Bois-Bûcher en Charente, à 1 heure de Limoges, il y a environ une quinzaine d'années. Nous les avons invités à venir le lendemain visiter l'usine. On leur avait bien expliqué les limites de notre métier et donc, quelle n'a pas été notre surprise quand on a vu arriver 15 jours après une maquette de bras et de jambes de poupées en plastique rose que vous voyez ci-dessus réalisée en porcelaine après de longs mois d'essai. Leur travail repose principalement sur l'idée de transformation et de réinvention à partir de rebuts ou de matériaux simples. Ensuite, plusieurs projets ont vu le jour à la manufacture. Ici, on voit Fernando en présence de Frédéric Bernardo, qui chez nous est directeur général en charge de la création. Après la coupe Mazarette, dont nous venons de parler, nous avons réalisé un service d'assiettes reprenant les dessins de leurs meubles, comme s'ils avaient découpé des images de leur catalogue. On retrouve d'ailleurs ici ces 3 éléments de mobilier dans les assiettes à dîner et à dessert. En fait, les frères Campana ne dessinent pas, ils en sont incapables. Ils construisent, ils assemblent et toute leur production est faite à la main de façon artisanale. C'est assez incroyable. Et pour la coupe Nazareth, donc, on avait reçu une maquette. À nous ensuite de se débrouiller. Même chose pour Eurotropique, le service de table. Les images sont arrivées collées à plat dans les assiettes. À nous d'en faire un décor. Un autre exemple est la coupe ficelle à droite, dont la chaise ci-dessus a été l'inspiration. Là aussi, nous avions reçu une maquette recouverte de ficelles qu'il nous a fallu reproduire. Ensuite, nous avons travaillé avec eux les couleurs qu'ils voulaient avec un effet plutôt satiné, ni brillant, ni mat. Et la dernière réalisation en cours, qui sortira en 2020, sera 2 pièces de mobilier distincts, comme vous le voyez là, un cabinet haut et un cabinet bas qui assemblent carreaux de porcelaine et bois de châtaignier issus de la région du Limousin. Et là, ce sera une édition limitée à 8 exemplaires uniquement. Une autre collaboration, évidemment, c'est avec Jeff Koons. Il y a 10 années, il nous avait contactés pour réaliser une assiette pour une vente de charité qui représentait une photo ancienne montrant des gymnastes dont il avait acquis les droits. Nous la réalisons pour lui, il en était ravi, et du coup, nous parle de son œuvre Balloon Dog, qu'il aimerait bien pouvoir faire en porcelaine. De notre côté,
Nous lui parlons de nos 150 ans et il accepte l'idée de faire une collection d'assiettes en porcelaine qui reprendrait des images de ses œuvres. De notre côté, nous mettons 2 ans et demi pour mettre au point le Balloon Dog, car évidemment, comme avec tous les artistes, il est nécessaire que nous soyons à la hauteur de leurs exigences. Jeff Koons, comme vous le savez, est l'artiste le plus coté aujourd'hui. C'est lui qui détient l'enchère record mondiale de 91 millions d'euros pour une œuvre. Très perfectionniste, il fait appel aux meilleures manufactures pour réaliser ses œuvres. Notre chance, c'est qu'il aime la porcelaine, qu'il trouve être le matériau le plus sensuel et le plus régalien qui soit, puisque au départ, la porcelaine était destinée au roi. En réalisant ces éditions limitées en porcelaine avec nous, le souhait de Jeff Koons était de pouvoir rendre son œuvre accessible au public tout en gardant une qualité exceptionnelle. Et voici les dernières œuvres que nous avons réalisées avec lui. Les œuvres originales font 3 mètres de hauteur. Ces petites éditions font 30 cm et sont limitées à 999 exemplaires. Oui, on dirait des bâtons gonflables, des ballons gonflables. Oui, on dirait de métal, mais il n'en est rien, je vous assure, c'est de la porcelaine. En ce qui concerne le monde de la création, il aurait été incomplet d'omettre de mentionner quand même la Fondation d'entreprise Bernardo, qui, même si elle est totalement indépendante de la maison éponyme, elle invite chaque année, et ce depuis 2003, une quinzaine d'artistes à venir exposer dans ses murs au travers de ses expositions annuelles. Ceux-ci, les artistes, nous prêtent leurs œuvres ou les fabriquent expressément pour l'exposition qui dure environ 8 mois. Donc chaque année, au mois de juin, une exposition thématique montre à quel point les artistes aujourd'hui sont intéressés par le médium céramique, que ce soit terre cuite, faïence, grès ou porcelaine. Nous présentons tous les matériaux de cette famille. Il n'est pas question de potier ou de céramiste, mais d'artistes qui ont un message à faire passer. Ces expositions sont le point final du circuit de visite qu'on a mis en place en 1998 pour les nombreux visiteurs qui viennent chaque année chez nous découvrir la porcelaine, son histoire et sa fabrication. Et certaines expositions, après Limoges, sont présentées dans d'autres musées internationaux comme le Victorian Albert Museum à Londres, le Musée des Arts Décoratifs à Paris ou à New York, le musée Ariana à Genève, le Yingge Museum à Taipei, bref, un peu partout dans le monde entier. L'exposition en cours traite du sujet de la gourmandise. 14 artistes internationaux, 300 œuvres y sont exposées, que de la céramique et de savoir-faire tout à fait exceptionnels, comme cette œuvre qui montre la maîtrise parfaite des coulures réalisée par Anna Barlow, une jeune artiste anglaise de 35 ans. Ou encore Shaina Leb, cette autre artiste américaine qui travaille l'hyperréalisme, ce que vous voyez est en céramique et en verre, car elle maîtrise les deux techniques. Pour l'exposition, elle a réalisé 80 desserts, 40 français, 40 américains. C'est la première fois que l'ensemble est présenté. L'effet est saisissant. Je terminerai ma présentation par ces photos d'artistes dans leurs ateliers qui montrent ce qu'ils ont tous en commun, que ce soit chez Bernardo ou à la Fondation Bernardo, à savoir un engouement pour ce matériau qui offre la possibilité de s'exprimer de façon si diversifiée, quels que soient les âges, les nationalités, les cultures, qui offre finalement une passion de toute une vie, des savoir-faire dont la maîtrise n'a pas de limite grâce à cette intelligence de la main pour nous éblouir encore et encore. Bref, nous sommes dans un métier de passion qui ne connaît ni la notion du temps, ni les limites techniques sans cesse repoussées, avec un potentiel à venir tout à fait extraordinaire, car les nouvelles technologies qui sont en train de voir le jour vont nous permettre des réalisations tout à fait inenvisageables jusqu'à aujourd'hui. Si la céramique est apparue il y a plus de 20 000 ans, elle reste encore très prometteuse aujourd'hui, car nous sommes à l'aube de nombreuses promesses à venir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Ça fonctionne ? Oui. Merci beaucoup, Hélène. Malheureusement, nous n'avons quasi pas de temps pour des questions. Donc, s'il y a une question urgente, sinon je pense que Hélène et Alexandre accepteront de rester un petit moment pour répondre à vos questions à la fin de cette conférence. Je retiens en tout cas de vos deux présentations que vraiment cette relation entre luxe et art contemporain, c'est aussi une relation qui permet de mettre au défi,
de mettre au défi de réaliser des choses, des envies d'artistes contemporains, mais aussi pour les artistes eux-mêmes de se lancer des défis en se confrontant à d'autres matières. Et je pense que c'est aussi une caractéristique du luxe. Le mot luxe, il y a quelques années, nous avons publié un ouvrage à Beyrouth que nous avions présenté ici avec Alain Rey et Adonis. Et Alain Rey expliquait que le mot luxe vient de luxation, c'est-à-dire être toujours à côté, chercher, pousser de manière inattendue. Donc c'est cette notion aussi de surprise, de luxation, et c'est cette relation, ce frottement, je dirais, entre des savoir-faire, des maisons de luxe et des artistes qui fait émerger quelque chose de nouveau, ce que vous nous avez montré. Donc merci beaucoup. Je vous remercie aussi tous d'avoir été ici aujourd'hui. Et je vous invite pour la troisième session de ces conférences au sein d'Abu Dhabi Art à revenir ici samedi prochain à 16h45 précise, où nous aurons une conversation autour du lien entre patrimoine et création contemporaine avec la présidente du château de Versailles, le conservateur en chef du mobilier national et... et la directrice de la fondation Hermès. Entre-temps, je vous invite à découvrir à la Maison des Artisans, et ça courait tout de suite parce que c'est jusqu'à demain soir, vous pouvez participer à l'œuvre créée avec les brodeuses de Le Sage et inspirée du Louvre Abu Dhabi. Donc vraiment, allez participer à cette œuvre qui ensuite sera exposée ici. Donc vous pouvez apprendre à broder demain, ce soir d'ailleurs, tout de suite là en partant, ou demain dans la journée. Demain soir, Hélène Huret, qui je pense vous a donné envie d'en savoir plus sur les techniques de la porcelaine, va expliquer en détail toutes les techniques de la porcelaine chez Bernardo, à 19h, toujours à la Maison des Artisans. Après-demain, le 22, c'est Catherine Pégard, la présidente du château de Versailles, qui donnera une conférence sur tous les savoir-faire extraordinaires qui sont maintenus, préservés à Versailles, depuis les fontainiers jusqu'aux restaurateurs de mobilier. Il y a un foisonnement de métiers dont on ignore même l'existence. Donc je vous invite à nous rejoindre vendredi, à nouveau à 19h, à la Maison des Artisans. Et puis, par ailleurs, allez flâner, hein, puisqu'on est aussi dans un mot très français. On vous a apporté un petit bout de Paris à De Galeria. Donc, allez flâner à De Galeria pour découvrir, par exemple, l'installation de la maison Hermès, que propose la maison Hermès avec un duo d'artistes Nonotak qui est tout à fait surprenante. Découvrir aussi ce que le théâtre Cher Zayed du château de Fontainebleau propose comme mise en scène dans la boutique Boucheron avec la maison Hercuy, pour ne pas citer évidemment ce que Bernardo, Dior ou Cartier vous réserve comme surprise sur place. Donc je vous retrouve, moi, peut-être sans doute demain soir, après-demain soir et samedi, nous ne nous quittons plus. Merci beaucoup.